Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Super Dégout, je vous souhaite très bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter mes voitures Opel. Donc, il y aura plusieurs fabricants. Donc là, on va commencer avec une Opel Corsa des années 90. Voilà, donc de 1994. Donc là, le fabricant, c'est une Gamma. Donc, le fabricant, c'est Gamma. Du coup, voilà. Si ça vous intéresse, je les ai achetés chez MJM. MJM Miniature. Donc, du coup, voilà. Il y a beaucoup d'anciennes voitures, tout ça qui est intéressant. Sauf une Opel Astra que j'ai achetée chez Nos Rêves. Voilà. Oh, ça me vient un petit bout de temps que je les ai. Voilà. Ça, il y a la 3 portes aussi. Moi, j'avais pris la 5 portes. J'ai pas pris la 3 portes. Parce que j'aime bien la couleur bleue comme ça. D'après, nous avons un Opel Meriva. Donc, du coup, donc c'est déjà un vieux véhicule. Pareil, qui est sorti en 2003. Qui concurrençait le Fiat Idea et le Musa chez Lancia. Moi, ouais, c'était un petit véhicule. Voilà. C'est plus petit que un Zafira, un Opel Zafira. C'était plus petit, ça. Voilà. Donc, ça, c'est du mini-champ. Là, après, nous avons un Opel Agila Schuco. Donc, celui-là, c'est une édition limitée à 1000 exemplaires, mais je crois qu'il n'est plus disponible à la boutique. Mais voilà. Donc, un magnifique vert. Bon, c'est un vert qui est très très joli, pastel, mais métallisé. Donc, le véhicule qui est sorti en 2007. 2007-2008, voilà. Donc, ça fait déjà un petit paquet de temps. Et pour ceux qui les auront reconnus, c'est aussi le Suzuki Splash. C'était la même base que l'Opel Agila, voilà. Là, après, nous avons le Crossland Hits de 2017. Mais par contre, je ne sais pas c'est quoi le fabricant. J'arrive plus à me rappeler. Voilà, il est super super joli. Donc ça, c'est un des plus récents. Bon, il a été restylé en 2021, mais voilà, c'est la face avant qui a un petit peu qui avait été un petit peu redessinée, les feux. Mais sinon, il n'y a rien de. Il n'y a rien de changé. Voilà. Et pour finir, nous avons la Opel Astra que j'ai acheté chez Nos Rêves. Donc voilà. Donc au prix de 45 euros. Non, 35 euros, pardon, excusez-moi. Je l'ai acheté à 35 euros. Mais je crois qu'elle a dû un petit peu augmenter maintenant, je sais pas. Je lui en avais fait une rose, parce que je l'ai acheté il y a un petit bout de temps déjà. Je l'avais acheté au tout début qu'elle était sortie, donc tout début 2022. Après, il y a l'inflation qui est passée par ici. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est l'hybride rechargeable. Voilà, franchement, très très joli véhicule. Hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et mettre un commentaire. T'abonnez pas déjà fait. Ciao, ciao, c'est Super Rio.